Coucou, coucou, coucou les filles, ça va? Oui. Ouais, alors aujourd'hui, il fait très beau, regardez. Waouh, un beau ciel bleu. Donc on en profite aujourd'hui pour finir quoi, Lana? Pour finir tes fournitures scolaires. Il ne restait plus qu'une chose, les petits copains et copines, si vous suivez notre chaîne, vous savez que nous avons fait les fournitures scolaires de Lana et d'Eli qui est là, qui me fait un câlin. Donc il nous restait plus qu'une seule chose, c'était quoi? Le workbook. Le workbook d'anglais. Mais oui, voilà, il ne nous restait plus que ça pour Lana, pour sa rentrée de 3e. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va profiter du beau temps pour partir chez Leclerc et aller chercher ce workbook. Alors on y va après quoi? Générique. Oh, c'est bizarre Lana. J'ai entendu générique, mais j'ai pas vu tes lèvres bouger. Attends, on recommence, on va voir. On y va après quoi là? Générique. Ok, c'est bizarre. Comment tu fais? Tu es ventriloque? Ouais. Attends, je recommence. On y va après le? Générique. Mais c'est fou ça! Mais tu sais imiter en plus Ellie, c'est incroyable! Ouais, ouais. Bon, mais j'en reviens pas. T'es une artiste. Bon, en fait, t'es une canaille, toi. T'étais cachée à côté. Allez, on y va tout de suite après le. Générique! Et ben voilà, les petits copains, les petites copines, nous sommes arrivés chez Leclerc. Donc, on va aller chercher. Quoi donc, ma puce? Un workbook, j'espère qu'on va le trouver. Allez, c'est parti, on y va, go! On a fini! Eh oui, on a fini, ça y est, on a fini nos courses. Alors, pas de chance, on n'a pas trouvé de workbook anglais. En fait, il le commande, c'est ça, ma puce? Ouais, il le commande parce qu'il n'y en avait plus en stock. Par contre, on revient pas les mains vides, hein, les petits copains et petites copines. Non, 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 regardez. Regardez. Donc on a trouvé tout un tas de petits objets, de petits jouets. Alors on va les déballer à la maison et puis on va regarder ça tout de suite. Alors suivez-nous. Et nous revoici sur la chaîne de Tom Tom et Nana. Ah non, c'est Ellie's Magic World. Nous revoici donc du magasin de chez Leclerc avec un sac rempli de choses. Alors faut jamais aller chez Leclerc avec un sac parce que nous en général on le remplit. Hein. Allez ma puce, montre-nous ce que nous avons trouvé. Alors déjà on a trouvé un petit chat, regardez, ce sont les peluches taille. Ça ressemble à le chat de Liz Marie. Alors Liz Marie c'est une copine à Lana, donc Lana est pas là avec nous, elle a été prendre sa douche. Elle a dit oh, il fait trop chaud, je vais prendre ma douche. C'est pour ça qu'il n'y a que Ellie. Donc regardez ce petit chaton, il est trop mignon, il a des yeux roses qui brillent dans tous les sens. Et Liz Marie, c'est une copine à Lana, effectivement, qui a un petit chat comme ça. Alors on fait un petit coucou à Liz Marie, si tu nous regardes, Liz Marie. On te fait un coucou. Alors on va voir comment il s'appelle. Il s'appelle Tori. C'est mignon. Tori, regardez, il nous fait presque un clin d'œil, on dirait. Oh, Tori, il est trop beau. Elle l'appelle Théo. Théo, Tori, Théo, c'est à peu près pareil. Donc il est marron et noir et rose dans les petites oreilles. Oh, c'est trop mignon. Il est beau, hein. Il est beau. Donc voilà, première chose, une peluche taille. Hop là, suivant. Qu'est-ce qu'on a dans ce sac? Qu'est-ce qu'on a acheté? Pour maman. Alors, pour maman. Allez, vas-y. Attends, je vais t'aider. C'est bon, tu arrives. Alors, scratch pas le paquet parce que c'est un cadeau que nous allons faire à maman. Donc ça, les petits copains et copines, c'est un livre. Ah, t'as trouvé la note, toi. Donc, regarde. Allez, montre-nous-le. Donc, c'est un livre pour les grands. Voilà. Elle adore Mamounette. Elle adore lire les Franquillieses. Alors, ça, c'est des livres qui font peur. Hein. Moi, je vous le dis, moi, je les lis pas. Hein. Oulala, ça fait trop peur. Regardez, il n'y a même pas d'image. Moi, je lis que des livres où il y a des images. Hein. Genre les Picsou. Ok. Oui, papa, il lit des BD. Ou les 101 Dalmatiens. Moi, les livres comme ça, ça m'intéresse pas. C'est trop long. Oh là là. Faut lire, faut lire. En plus, il y a un pavé. Je vous raconte pas. On dirait un dictionnaire. Ensuite, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, ça c'est pour Lana. Alors Lana s'est acheté le dernier volume, c'est le dernier de Fairy Tail. Alors les petits copains et copines, si vous lisez ou vous regardez à la télé Fairy Tail, eh ben, vous savez certainement que le numéro 63, c'est le dernier volume de la saga. Donc voilà, Lana s'est acheté ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah mais, d'accord, Lana a direct ouvert le troisième cadeau. Donc c'était une figurine Fairy Tail, une figurine pop. Donc ça, c'est Lana aussi qui se l'a offert. Alors fais voir à quoi elle ressemble. Je veux vous montrer. Tu veux nous l'amener? Bah allez, amène-nous là. Regardez, elle a des cheveux bleus. Ouais, c'est fou ça, des cheveux bleus, j'ai jamais vu ça moi. Moi, je l'ai déjà vu. C'est vrai, t'as déjà vu des cheveux c'est bleus? Ma copine. Ta copine, elle a des cheveux bleus? Comment elle s'appelle ta copine? Je sais pas. Bleuette? Non. Non. Alors regardez cette jolie figurine, elle a effectivement les cheveux bleus.
elle a une robe verte, elle a des sandales. Alors, elle fait partie de la collection des Fairy Tail parce que Lana adore Fairy Tail. Donc, avec le livre, bien sûr, va la figurine. Hein, on va, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, elle est très très belle. Regardez, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, je vous la fais tourner. Très très belle figurine pop, j'aime beaucoup. Super. Et alors, Ellie, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est achetée aussi une figurine pop. Donc, qu'est-ce que c'est, ma puce? Elle est trop belle. Elle est belle? Ça tombe bien. Elle s'appelle Belle, je crois. Donc, c'est une figurine pop de chez Walt Disney. C'est Belle, du dessin animé, en fait. Hein. Allez, montre-nous. Oh, regardez-moi ça. Regardez la robe. Et les cheveux. Regardez les cheveux. Oh, elle est magnifique. Elle est même pas belle. Elle est magnifique. Et là, c'est écrit Disney Funko Pop. Voilà. Donc, regardez un peu la robe. Je vous approche pour que vous voyez un petit peu les détails. Oh, tous les nœuds, les brodures. Oui, ma fille. Ses cheveux, ils font une moustache. Ils font une tache, ses cheveux? Une moustache. Ah, une moustache. Ah oui, t'as raison. On dirait la moustache de Mario. Oh là là. Regardez un petit peu. C'est ruban. Oh, c'est dorure. C'est vraiment magnifique. Alors, celle-là, elle est vraiment belle. Alors, les figurines pop, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles peuvent bouger la tête. Et regardez. Tiens, ma puce. Ses cheveux. Ses cheveux sont magnifiques. Alors, regardons un petit peu les figurines pop les unes à côté des autres. Et les petits copains et copines, votez pour la plus belle. Moi. Pour toi, tu penses que celle-là est la plus belle? Je pense aussi quand même. Oh là là, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Moi. Deux petites filles. Voilà, donc je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien dans le sac, ma puce. Ouais, il n'y a plus rien. On a tout découvert. Ouais, il n'y a plus rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas trouvé le workbook anglais 3e de Lana. Donc, on l'a fait commander au monsieur qui était très gentil. Le vendeur nous a dit, je vous la commande, il n'y a pas de souci. Donc, il faudra qu'on retourne au magasin. J'espère que cette fois-ci, on ne va pas craquer pour d'autres choses. Quoique, qui sait, qui sait. J'espère que cette fois-ci, on ne va pas craquer pour d'autres choses. Quoique, qui sait, qui sait. Bon, les petits copains et copines, on vous fait de gros bisous. Likez, partagez, commentez si vous avez aimé cette vidéo. Nous, on va se laisser sur quoi? Sur elle? Ouais, elle est vraiment trop belle. Allez, et le chat, les deux. Les petits copains et copines, soyez sages et surtout, abonnez-vous. Oh, les figurines, pas les figurines, pas les figurines.